Et voilà, j'essaye de faire des parties un peu cohérentes. Et donc j'en suis où au niveau des... Ah oui, là je vais m'acheter des... Je vais voir si je peux m'acheter des trucs. Amélioration disponible. Ah oui, ça y est, je vois les aptitudes. Alors, le lance-pierre de David, non, je l'utilise pas. Le jet dessus. Niveau 2. Améliorer ses aptitudes, oui. Moi, ça va, ça me plaît, là. Ça me convient. Cadeau disponible. 1. Votre santé maximum augmente de 20%. Ah oui, donc vous subissez bien moins de dégâts lorsque vous êtes seulement amoché. Infliger des dégâts supplémentaires, non, seulement fou. Chaque fois que vous exécutez une attaque magique avec votre arme, vous récupérez des points de vie. Chaque fois que vous exécutez une attaque magique avec votre arme, vous récupérez des PP. Infliger des dégâts supplémentaires aux ennemis frappés de saignement. Vos attaques infligent plus de dégâts lorsque vous êtes seulement blessé. Le recours à des objets de soins décuple. Oh putain, j'ai du mal de lire. Décuple provisoirement les dégâts de vos attaques. Votre santé, nia, oui. Les altérations qui vous handicapent durent un tour de moins que la normale. Ça peut être bien. À chaque combat, votre première attaque inflige des dégâts supplémentaires. Non, ça c'est pas. Vous gagnez 2 PP chaque fois que vous utilisez des objets de soins. Infligez des dégâts supplémentaires aux ennemis écœurés et subissez moins de dégâts de leur part. Ah oui, bah ça, puisque je le mets, ça c'est de bon. Contre-attaquer les ennemis avec son cul requiert du mana mais inflige plus de dégâts qu'un contre avec une arme. L'utilisation d'une attaque magique avec vos armes au corps à corps ou à distance inflige des dégâts supplémentaires. Bon alors, ok, attends. Les potions de réanimation utilisées sur vos potes ou sur vous-même remettent la cible entièrement sur pied, d'accord, oui. Vos PP maximum augmentent de 20%. Vos attaques de corps à corps infligent des dégâts supplémentaires et infligent davantage de dégâts aux cibles étourdies. Non, je vais prendre le... Acheter ça, oui. Ok, bon. Nouveau message de Monsieur Kim. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi, je m'abattrai sur tes ennemis comme le Spock sur Shanghai. Ok. A guide to South Park Wildlife is everything a hunter needs to know about the beasts of Central Colorado. Got some things for sale might help your hunting. Interested? Ah, tiens, veux voir qu'est-ce que je peux vendre. Bazar. Alors, Y, Y, Y. Ah non, non, mais déjà, je suis déçu d'en avoir vendu un. Je vais les garder, les godes. Hein. Mais c'est pareil. Ah, voilà, oui. Quand même. Il faut être con pour mettre ça dans un jeu. Ok, donc y a rien à acheter. Acheter. Est-ce que j'ai des armes à acheter? Non, niveau 8 c'est trop, niveau 6 c'est trop, patch pour costume c'est trop, divers. Bon, on va l'acheter, hein. Je sais pas ce que c'est, mais. You kill anything in that guide, you come back and see old Jimbo and Ned. The best part of hunting is bragging about it to other hunters. Ok. Nouvelle quête, chasse au gros gibier avec Jimbo. Qu'est-ce que je. Ah, est-ce qu'il y a des trucs à. Battez l'araignée japeuse canadienne, battez la bactérie mutante, battez la roussette suceuse de sang. Venez à bout de la souris pénis, battez la vache de ferme. Venez à bout du chien de décharge enragé. Nouveau message de Jimbo. Poutine. De vache. Je suis déçu, je pensais qu'il y aurait des trucs à récupérer là.
Maintenant que je sais tirer à l'arc, hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On se fait les trois elfes là? Bon, déjà on va sauvegarder. Et on va se faire des elfes. Alors. Bon, j'espère que vous ne vous fâcherez pas, mais je dois vous exterminer. Ok. Voilà, bon, c'est une affaire réglée. Courroux des elfes, attaque améliorée. Oh putain, il a tiré avant de mourir. Oh le salopard. Bon. De toute façon, hein, ça, j'ai pas tellement le choix. Je vais niquer celui-là. Ah. Ouais, je vais essayer de buter celui-là. Oh putain, l'enfoiré! Merde. Pour l'instant, je vais pas me préoccuper de Butters. Bon. Victoire 20 XP. Tout prendre. Tout prendre. Ok, donc là maintenant. T'imagines pas que tu vas trouver les bêtes dont je t'ai parlé en claquant des doigts de nouveau. Et n'oublie pas, ces enflures ne se montreront que pour un truc auquel elles ne savent pas résister. Oh, j'oubliais, tu devrais utiliser l'un des objets que je t'ai donné pour les attirer. Alors, il y a un truc. Attends, il faut que je vois ça. La souris pénis, c'est quand Monsieur Garrison, c'est référence à l'épisode où Monsieur Garrison s'est fait regreffer un pénis et ils l'ont fait grossir sur une souris. Bon, ben on va prendre rendez-vous à l'école pour y trouver Craig. Ok. Où est-ce qu'il est le... Ah, il est là, ok. Alors, Craig, il est où? À l'école. Faites évader Craig de l'école et recrutez-le dans le groupe. Rendez-vous à l'école pour y trouver Craig. Voyager. Craig, pas Greg. Ok, donc... There's a rumor the girls have a secret base, but I've never seen it. On peut pas tirer sur le drapeau. Où tiens-toi? Voilà. Craig, this is detention, okay? Stop looking at your watch because you're here for 3 hours, buddy, okay? Whatever. Now don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Feldspar, and I'm a level 6 thief, and the humans will soon rescue me from this tower. No, your name is fucking Craig Tucker, and you're in detention. Now start doing your homework. Okay, I've got all the doors sealed, and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay?
Alors, les surveillants arpentent les couloirs jour et nuit pour une colle de 3 heures. Alors. Excuse me, but school is out and no students allowed on the premises until tomorrow at 7:30 a.m. Bon. We will kill him with compassion. Et mon nouveau meilleur ami là. Trop tôt, mais c'est pas grave, je savais que ça... L'officier à terre. Ils sont cons. Here they come. They're gonna get you, Craig. You're not getting out of detention. I'll be out of here in 10 minutes. Careful, douchebag. This dungeon holds many secrets. For centuries, these halls went unmonitored. But then the evil overlord Mackie rose an army of gingers to protect his precious after-school detention. Now these minions lurk the halls, terrorizing and suspending the innocent. Alors, touffe de poils pubères de rouquin. Ah, c'est quoi? Ajoute 20... dégâts d'écœurement en cas d'attaque parfaite. Oh oui! Là j'en ai. Bouton MSR. Ginger séparatiste mouvement. Oh là. Tout prendre. Hein. Je sais pas si on peut revenir. Ah d'accord, c'était un piège, c'était pour ma gueule ça. Alors, il est où le... C'est là. Oui, alors 5 dégâts d'écœurement en cas d'attaque parfaite. Ah mais moi je préférerais voir si je peux pas le mettre sur l'arc puisque j'utilise plus l'arc. Voilà. C'est bon. Et est-ce que le... À mon avis, c'est que de la défense, ça. Retirer. Du dégât de foudre. Ok. Ok, c'est bon. On est parti. Là, mon... Ok, on peut pas passer par là. On peut y passer par là. Il y a un sac là-bas. Alors... Alors, potion de santé petite, okay, potion de guérison de max. Enfin, max, ça veut dire que j'ai tout. Enfin, que j'en ai trop dans mon équipement. Donc, que je pourrais éventuellement prendre. Madame Crapabelle, chef. Ah, le français, là, je crois qu'il est français. Et puis le rouquin, je sais plus qui c'est. But, ça veut dire cul, il me semble, en anglais. Ok, on peut pas passer par là. On peut pas passer par là. Est-ce que je sauvegarde ? Un truc là, le chipoco manque. Ah non, est-ce que c'est pour préparer un piège, ça? Placez-vous devant le feu pour lancer le cri du dragon dessus, tirez R vers le bas puis repoussez-le pour libérer le cri de... Ok,
Alors pour l'instant, je vais d'abord faire ça. Sert à rien. Ah voilà. Oh magnifique. Oh, je suis extrêmement content. Roi sur ressort. Alors, le cri du dragon. Ok, ça a marché. Tous les ennemis pris dans l'explosion provoquée par le cri de dragon seront éliminés. Utilisez cette astuce pour rendre vos combats plus faciles. D'accord, mais j'avais déjà rendu le combat plus facile. Ciseaux de sécurité. Ah d'accord, il faut des clés pour... Attends. Ah, on peut utiliser... Trouver une clé en or dans le bureau de Monsieur McKay. Aïe, j'ai oublié un rouleau de... Voilà. Rouleau en carton. Ça doit être quelques cents. Alors attends, qu'est-ce que je vais pouvoir... Attends. Alors lui... Toucher du rouquin. Alors, écœuré. Ok. Ouh là, il a pas mal d'armure, lui. Ok, donc... On va déjà faire le petit toucher rectal, là. Je sais pas si ça enlève le... Non, ça enlève pas l'écœurement. Trop tard. Oh putain, j'ai pas le sentiment que c'est trop tard. Legend says there's a sixth grader hall monitor who has a zillion freckles and a clipboard made of human bone. They say he has a freckle for each kid he suspended. Alors le loot, tache de rousseur. Ok. Là, si on tire 150 fois dessus, ça fait un achievement. C'est sûr, ça. Est-ce que ça sert à quelque chose, là, ou c'est juste gadget? Papier froissé, oui. Alors, qu'est-ce que... Là, on peut... Ah, j'aurais pu lui tirer dessus avec ça, je pense. Alors, on va essayer le cri du dragon. Je suis pas sûr que je réussirai à le refaire. Ok, donc... C'est par là, non? Alors, c'est par là. Récupérer la clé en cuivre. Vous aurez besoin de vos compagnons pour contourner certains obstacles. Maintenez LB et choisissez l'outil commande de pote et tapotez LB jusqu'à l'avoir sélectionné. Okay.
comprends pas là. Bon, je vais déjà voir le nouveau message. Salutations humains. Ceci est une transmission entrante du porte-avions. Kevin, nous tournons actuellement en orbite autour de la Terre et nous pouvons fournir des torpilles à photons en soutien. Kevin, terminé. D'accord, sérieux Kevin. Il n'y a pas de putain de vaisseau Azaron. Capici ? C'est des humains et des elfes et ils n'ont même pas de phaseurs. Rien que des épées et des flèches. Pardonnez-moi, amiral, mon sang vulcain ne m'empêche pas toujours d'agir de façon irrationnelle. Au fait, l'école a nommé des rouquins comme surveillants de couloir. Si tu te fais mort, tu es foutu d'avance. Alors ne reviens pas ici nous infecter. Alors, attends. Commande de potes. Non, ça marche pas. Comment ça marche là? Maintenez LT et ciblez l'icône de pote avec L ou R. Appuyez sur RT pour diriger votre compagnon. Ok, ça marche pas là. Je comprends pas là. Maintenez LT. C'est ça ou c'est ça? Attends, c'est ça. Ok. Je ne comprends pas là. Alors, putain, déjà, LT, j'arrive jamais à me rappeler ce que c'est LT. Est-ce que c'est écrit sur les touches? Je vois rien. C'est écrit, mais je vois pas. LT, d'accord, ok. Donc, LT. Ciblez l'icône de vos potes avec LWR. L'icône de vos potes. Bon, est-ce que c'est là? C'est pas possible que ce soit par là. Ah tiens, j'ai le loot que j'ai pas pu prendre tout à l'heure. Il est là. Bon, non. Alors là, je ne comprends pas. Pokémon.
c'est que ça? Pourquoi j'ai des loot là? J'ai battu des gens ici? Maintenez LT. Non. Et cibler les connes. Putain, mais... J'arrive jamais à me rappeler LT, c'est en bas. Maintenez LT, ciblez l'icône. Oui, mais ciblez. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Super hébraïque. Serpe hébraïque, ok. Maintenez LT et ciblez l'icône de potes. Où est l'icône de pote? Putain, je me sens seul là. Ça, hein. C'est aucun sens si c'est ça, parce que ça n'a aucun rapport avec ta gueule, Butters. What? That'd just be silly.
je vais essayer de voir sur internet parce que là je ne comprends pas. South Park. Est-ce que je vais pas mettre une fenêtre pour ok, capture de fenêtre. Voilà. Ça devrait être bon là. Alors South Park, le bâton de vérité, Solus. Alors, le bard, je m'en fous. Oh. Mais je veux pas me spoiler pour des trucs. Celui au drapeau, je m'en fous. Café chaud, ça je l'ai fait, mais non, mais putain, il n'y a pas un truc où c'est quoi, Craig? Bon, c'est mal foutu là. Ah, coller, voilà. Ça doit être ça. Non. Alors là, c'est ici, c'est ça. Hein. Commande de pote. Cri du dragon, oui. Alors, impossible d'avancer. Prenez Kenny comme compagnon et utilisez la compétence de Kenny sur l'ennemi. Comment je change de compagnon? Comment je change de compagnon? Ah oui, c'est, oui, ok. Ça y est, je... Groupe, c'est là. Voilà. Alors, c'est nichon. Chaque pote peut t'aider pour un type de problème. L'outil commande apparaîtra aux endroits où tu auras besoin de l'aide d'un pote. Ok. Oh putain, non mais... Là, je suis sûr qu'il y a un succès quand on boit à toutes les fontaines. Concierge. Vieille éponge. Y a pas des trucs à tirer, là? Apparemment, non. Non plus. Ah. Non, ok, on fait voir ce qu'il y a comme skitter. Maintenant que les rats sont partis, les cafards se reproduisent à tout va. Je pense qu'on n'aurait pas dû faire chier les mères nature. Alors, il y a du loot apparemment quelque... Voilà, ok. Patch du guérisseur. Restitue 25 points de vie supplémentaires lors de soins. Ok, ça c'est bon ça. Ok, inventaire. Retirer. Voilà, ok. Est-ce que j'ai bien rééquipé au fait? Parce que tout à l'heure il me semble que j'avais des trucs qui n'étaient pas équipés. Ok, donc c'est bon. Ah, est-ce que je peux tirer là-dessus? Non.
va sauvegarder. Parfois, en observant le décor, vous remarquez des indices vous permettant de supprimer plusieurs trucs à la fois. Oui, là. Attends, est-ce que je peux... Est-ce que c'est parce que je... Pardon. Est-ce que c'est parce que je lui ai pété dessus qu'il a été malade ou... Alors, l'arc. Alors, c'est quoi? Maîtrise des armes, succès déverrouillé. Arc de Kenny. C'est quoi ça, charme? Voir ce que c'est le charme. Hein. Attaque réduite. Ok. Ah mais c'est bien ça l'attaque réduite. Ça c'est quoi? Blénorragie. Oh oui, oh oui, ça fait des dégâts ça. Ah bah, d'accord. Damn it, you hallway monitors need to stop playing around. He's got the brass key. He's some kind of dragonborn. Now look, this is detention time, not time to play Dungeons and Dragons. And besides, he's never going to get inside here because to open the door you need the gold key and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Said, il est temps d'arrêter de jouer au Donjons et Dragons. Hein. Clé en cuivre, ok. Ouvrez la salle avec la porte. Ou avec la clé en cuivre. Balle aux prisonniers, c'est quoi ça? Examiner. Rebond à l'étoile, ok. À équiper. Non, je vais tout prendre. Alors, c'est quoi cette arme-là? Rebondit pour frapper une arme aléatoire, dégâts supplémentaires efficaces contre les armures. Ouais, mais bon... Ah oui, non, mais par rapport à mon arc mongol, hein, non, jamais. Jamais. Tu m'entends? Jamais. Alors, quelle porte on peut ouvrir? Bulletin de vote pro sandwich au caca. Ouais. Est-ce qu'on peut... Non. Non, non, non. Alors je trouve très bien que dans le système de combat qu'ils ont là, on puisse niquer les adversaires avant le combat. Ah merde, non. Ah merde, j'aurais dû le faire après. La pile de bouquins. Fais voir si je peux sortir. Non. Si. Est-ce que ça remet à zéro la salle ou... Non. Dommage parce que là, j'aurais dû faire tomber la pile de bouquins sur lui.
Comment je passe? Ah. Ok. Tessons de verre. Tout prendre. Ok, je vais quand même changer. Je vais changer de pote. Parce que j'aime bien Butters. Je le trouve très efficace. Comment je vais niquer ces cons là? Ah oui, j'ai touché une arme là. Ah non, un 10 de dégâts en cas d'attaque parfaite. Ouais, mais bon, je n'ai pas besoin, j'ai déjà les 10, ok. Est-ce que... Non. Je sais pas comment on passe de l'autre côté là. Et n'oublie pas la clé. Ok, elle est où la clé? Prévenait quand on aurait recours à un pote. Commande de pote. Est-ce que je vais... Ben, je vais essayer. Après tout, hein. Est-ce que ça marche? Pas l'air de marcher là. Bon, par contre, ça veut plus plus loin. Ok. Ah putain, quel con! C'est si simple que ça. C'est pénible d'être bête parfois. VPH, alors ça je ne sais pas ce que c'est. Oh bah voilà, c'est... Je sais pas ce que c'est VPH. Virus. Papillon, non. Oh tiens, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça.
En même temps, je savais que... que je prendrais... je le défoncerais. Perruque Francis, tournevis, Pister à 5 doigts, God, ah, Pister à 5 doigts, oh, oh, le Dompteur Obscur, oh oui, oh oui, ah ça je vais les garder encore une fois. Marqueur, surligneur, crayon, marteau God, le chatouille derrière. Non mais j'adore, ça... Qu'est-ce que c'est que ça, là? Où est-ce que je trouve la clé? Bon. Je te garderai bien, Kenny, mais t'es pénible. J'ai la clé? Je m'étonnerais, mais bon. On va voir, hein. Elle n'oublie pas la clé, ok, mais... Ah, attends. Ouais, je suis ressort, ça, je m'en fous. N'hésite pas à demander de l'aide, ok. Oh putain, me dis pas que je vais encore être obligé de... Ça fait plusieurs fois où je change de pote et finalement j'en ai besoin. Ça marche pas. Putain. Bon, mais est-ce que c'est... Pourquoi t'es de l'autre côté? Alors, est-ce que... Ok, donc ça marche. Ah, il va le soigner. Ok. Ils étaient trop roux. Mais attends, mais je suis pas encore sorti, crétin. Alors, tiens, non, ok. Elle est là-haut. Ah ouais, c'est vrai qu'elle était vachement bien cachée. Ah, j'ai pas pu lire. C'est quand même dommage qu'il ne nous laisse pas la possibilité de lire le... Bon, alors, ok. On va sauvegarder un petit coup. C'est quand même dommage qu'il nous laisse pas l'opportunité de lire correctement.
enough, intruder. Where's your hall pass? Poste des surveillants de couloir. No hall pass? Then it's time to write you a referral. Oh yeah, that's the boss. Good luck fighting the boss, okay? You still think this is a game, young man? Alors. Deadly Ford is authorized. Oh là. Ok. Je peux pas invoquer un boss. Ah là, ça va être chaud là. Toucher rectal. Ah bien, j'en ai touché deux. Mort rouge venait du ciel. Mais je peux pas, j'ai passé de... Ok. Chose qu'elle est bonne. Oh. Ok, donc il suffisait de battre le petit boss là. Clé du casier du surveillant de couloir, emballage de chewing-gum examiné. Il fait quoi? Régénère 5 PV à chaque tour de combat. Ouais, mais. Ah, mais je vais peut-être couper là.